Mercier, les frères de Saint Jean de Mal, et enfin Raphaël Bouvier, dans le cadre du service des vocations, Thomas a pris le temps de laisser mûrir cet appel tout en poursuivant ses études jusqu'au DEA de droit communautaire qu'il obtient en 2004. Devenu lycéen d'adoption, il s'engage dans l'animation d'un groupe de lycéens de la paroisse et s'investit dans l'association Oxygène. Thomas entre en année Saint-Jean-Baptiste pour un temps de discernement en 2005 et l'année suivante, il est admis au séminaire Saint-Luc. Durant son premier cycle, Thomas continue à découvrir le diocèse grâce à son insertion pastorale sous la responsabilité du père Richard Brunet à Saint-Rémy de Provence et à l'aumônerie Jean-Paul II du doyenné Alpine Durance. Depuis son entrée en deuxième cycle, Thomas est en insertion pastorale à la paroisse de Martigues qui nous accueille aujourd'hui, sous la responsabilité du père Benoît de Labre. Il s'occupe en particulier des servants d'hôtel, du groupe des lycéens de l'aumônerie, de la fraternité Notre-Dame et de visites de malades. Le séminaire exprime toute sa reconnaissance aux communautés chrétiennes et aux prêtres qui ont accompagné Thomas jusqu'à ce jour de son ordination au diaconat. Enfin, la maîtrise qu'a Thomas des nouveaux moyens de communication, il les a mis au service du séminaire et de la Lectio Divina en construisant et en animant avec une grande compétence plusieurs sites web. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste que Thomas a été jugé digne d'être ordonné. Thomas, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur nous choisissons notre frère Thomas pour l'ordre des diacres. Gloire à Dieu au plus haut. Thank you.
nous allons proclamer notre foi, la foi de l'Église, et particulièrement ce dimanche en cours, notre foi en Esprit et Seigneur, et qui donne la vie. Je crois en un